Étudiant actuellement recherché par la police, jeudi a tombé en babal, l'une d'un chef gang, la Saligno, ces nouvelles ça, yo rapporté. Bonjour, bonsoir tout le monde, yon fois encore, content de rejoindre nous, et tout dépend des côtés ni à la, jeudi annoncé 25 novembre 2022, monsieur Tene, bienvenue sur Channel Information. Nouvelle ça fait tomber, elle fait mal, la police prend coup, n'a qu'examen tout les directeurs académiens, Rigaud, Irrington, Jodia, sous bout de frère, et puis kidnappé, chauffeur qui te gagne ensemble avec là, et c'est ça, Gary Deosier, porte-voix PNH là, confirmé dans Nicolas la presse. Et puis dans la saline, Genève continue à prendre coup, et même sous cela fait qu'on est, un agent FBI qui est infiltré dans la base, et ça autant dire, il y a un gros problème, barbecue sans l'air pour le tomber, et gros difficulté, problème, qui gagne dans Delma 6 pour le moment n'a pas lié. Nous pas prêter un pile qui te dit pourquoi aller pour ça yo à clote pour le faire essentiel dans journal là pour aujourd'hui et ou sous pigo réseau information Sofia TV 83. Si vous pouvez faire ça, songez abonner à Chanel Paola. Nouvelle ou à venir jouer nous la caillou sans pas déplacer. La toute première information, Arrington Rigaud qui est directeur académie police là, monsieur mouri après-midi. Image extrêmement choquante, nous pas qu'à garder tête monsieur fan à un capouche moi le dit gaillé à terre. Aïe, on va qui dit directeur général police là, il y a un problème, tout le monde met mourir dans pays à lui-même, c'est que lui là, c'est poste lui, c'est fonction, il va régler mais c'est lui là. Et puis petit junior dans discussion m'apprend Chalet, là les amener, fils de monsieur. On seul cartouche dans la tête. On green cartouche. Et puis, Junior mourit. Junior mourit, plusieurs autres monde, quand ça m'a dit Junior, ils mourit tout. Mais il y a une information qui dit Chalet mourit tout. D'ailleurs, Jimmy Cherizier, barbecue, pape, j'aime accepter, on est vin. Tu es petit junior comme ça, parce que petit junior c'est que monsieur. Même si récemment, vous avez eu une discussion dans la question, et vous avez envie de valer au canet, vous allez prendre trois petits bagages. Mais vous avez dit non, nous ne pouvons pas quitter, nous faisons ça, monsieur. C'est activité pour la caille. Mais c'était petit bagage que vous avez géré entre vous. Mais là, présentement, bon gros goumé qui a fait qui pète dans G9 là. Un groupe qui croit que. Yo pa gen moun kap finanse yo fòk yo volé a kon lout groupe nèg ki di yo même heureusement gen 2-3 moun kap ba ou ti moyen yo pa nan mouvement volé. L'information c'est quoi? G9 main youn main tout G9 allié famille non situation qui extrêmement difficile. G9 perdu en pile plume. Jodi a la. Deye tout ça, ça bagalaye. Blanc, infiltré G9. Blanc, infiltré G9. Normalement, ce n'est pas une information, ça me devait dire d'aller. Les difficiles en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Faut que Jimmy Cherizier barbecue. Il y a une grosse loi avec elle. Les difficiles en pile. Moi, toujours dit, Jimmy Cherizier. Son policier, parce que pas gen ancien policier vrai, puisque nèg la prend formation, l'État investit sous lui, ça qu'arrive qu'ils sont policiers révoqués. Mais, il est policier pour la vie. Mais, ils sont policiers qui pas en fonction, mais un policier révoqué, un policier qui a abandonné. Jimmy Cherizier, Kouen Konel, c'est RNDDH, Pierre Espérance, qui transformait Jimmy Cherizier. Premièrement, dans sa hauteur, les massacres dans Grand Ravine, ou songez, ça qui passait dans Grand Ravine, là, nous, en novembre 2017,
le monsieur al prend Maranatha, l'école Maranatha, deux policiers perdu la vie, mais tout te gagné en dizaine moun qui te mouri. Depuis le ya, on dit que nèg yo t'a fait massacre depuis le ya barbecue dans viseur Pierre Espérance. Et a remarqué quel que soit ça nèg grave une fait, Pierre Espérance pas dénoncer. Algade al Lyon ba, Algade suivre Pierre Espérance dans tout parcours li, gen des groupes gang qui agi qui fait des bagailles, ou pour le pas dénoncer yo. Mando vous fait RNDDH. Bon, je ne veux pas parler de Pierre directement. Ma parler de institution ça a gen des groupes gang armés qui fait des actions ou après par exemple du aucun rapport contre yo pas aucun commentaire n'est fait sur ça et puis point boule suivre ça me doulant bien sous intelligent question la saline n'en vient passer et puis n'est vient monter rapport yo et puis yo fouiller Jimmy Cherizé. Jimmy Cherizé qui trouvait l'on situation côté que le dit tête il dit pas qu'à la prison. D'ailleurs, c'est une ghettolier, son nèg qui levé d'Elma 6. Il était très important pour lui de faire un choix. Il choisit M. Gang armé. Mais, contrairement à des nèg qui levé, ou bien depuis dans petit jeunesse, dans le mouvement gang, ce n'était pas le cas pour Jimmy Cherizé, il faut nous reconnaître ça. Mais, il vient quand même, un groupe armé, il vient un chef de gang, et li avec leadership li surtout li créer ça aurait en forme de fédération qui te gen plusieurs de l'autre groupe là-dedans ou songe monsieur était monté juste grand ravine pour la laisser sensibiliser des nègres pour faire partie de G9 G9 allié et famille mais G9 a toujours gagné 9 groupes armés 9 groupes gang qui yo même dans un compte dans toute activité yo solidaire dans mouvement. Mais G9 toujours dit que li pa dans kidnapping. Mais G9 d'accord que li gagne des membres nan volé. Et gen même des nèg nan membres qui konn fè ti koutou, qui konn fè ki konn lever moun. Que des fois ouais gen des moun yo lever en bas la ville là et puis nèg dou se basé grand ravine ou bien village mais nèg craché du feu yo té konn fait si mouvement lever moun tout mais on ban nok nèg nan Genève té konn pas d'accord ça bala té vin calmé mais yo té toujours konn fait ça relé rançonné moun moun saute la banque yo réalise am sou yo prend l'argent et puis ça konn rivé que yo joine des contrats tout et puis parce que pas oublié nèg ki bandi armé ya il est aussi un mercenaire. Ils sont mercenaires tout. Parce que ça qui arrive au bal des contrats pour l'exécuter des mondes tout. C'est mercenaire, oui. Craché dit fait. Qui n'ont position qui pas tellement fin stratégique pour que les gagnent un gros match de manœuvre dans en matière de gros entreprises cap financières, les mêmes les dit, faut que les gens toujours fait la rue. Et puis, les gens toujours fait la rue. Mais depuis quelque temps, parce que premier bagage qui était supposé craser, éclater G9, c'était Mikano qui était décidé de détourner plusieurs camions comme il faut. Parce que qui s'est passé? Nèg qui en dans G9 yo, majorité là-dedans yo, c'est des nèg gade moun dans secteur privé ya, qui ka relé au téléphone qui dit yo, monsieur, gen tel bagage qui fin rivé là, ban mon coup men là-dedans, pas oublier. Nèg qui dans secteur privé yo, youn connecté à l'autre. Même si ça qu'on arrive des fois, yo gagne des problèmes économiques, mais yo ses amis, c'est même équipe là, c'est même moun yo, c'est en roi yo ye, yo nan fait ensemble, yo nan toute activité ensemble. Donc si gon conteneur qui perdu ou bien on est en bas ta volé, ou ap joine quand même on est dans secteur privé a qui t'a dit ça dépend dans qui giron et ba la perdu hein, la prele chef gang nan, di chef gang nan mon chef gen tel bagay gade son ka fè mwen pou ki ça. Parce que nèg ki nan secteur privé a, li kon traité avec chef gang nan. Je reprends. Majorité nèg ki en bas la ville la, ki nan gros business, gros bagay secteur privé, li yo kon traité avec chef gang yo. Tande sa m di oui?
Je ne peux pas oser parler de financement, mais m'a dit de préférence yo kon traité avec yo. Ça veut dire yo kon bay chef gang nan l'argent. L'argent à tous les niveaux. Souvelé le financement parce que moi-même j'ai pas assez de preuves pour me dire que X ou bien Y kon financer, même ka dou que on maison machine qui en bas gen droit faire chef gang nan cadeau machine. Mbogo gen assez d'éléments comme preuve nan même irréfutable que yo kon même konnen yo traité avec yo. Yo ba yo l'argent, yo ba yo avantage, toute qualité bagay. Ça me konnen. Mais si monsieur qui n'a craché du feu yo, qui pa gen trop marge de manœuvre en termes de gros entreprise qui a financé yo, dou a fait la ri yo même. Et depuis après ba Mikano, côté Mikano fin détourner plusieurs camions et conteneur comme il faut, on parlait même de 6 millions de dollars de marchandises. Et puis, bah, elle a commencé à gâter. Nèg dit, monsieur, mouvement sambak à la dan, mouvement volé. Et puis l'autre a dit, non, gamin, pendant le mouvement volé, moi-même, pas aucune entreprise, beaucoup de temps, il y a un cap géo, un cap bol argent. Il y a en matière de gestion, c'est difficile pour lui vivre sur lui. Mais si monsieur crache du feu, toujours maintenant tête, et quoi et penser que c'est barbecue à Junior qui mangeait son son. Eh bien, gardons bel local que moi-même te connais, parce que pas oublier, c'est Simon Belé, moi te l'école à Médu Salut, moi te connais et le fameux école du génie, moi te connais descend dans l'asile communal là, asile communal là, moi te connais là dans deux très souvent. Eh bien, depuis quelques temps, dans bas asile communal là, c'est là que j'ai caché du feu. Fait stockage matériel, tout ça au volet. Moi, c'est un producteur de cinéma, je fais feuilleton, je crée musique tout, et je crée instrumental. Je ne sais pas raison ferme là. Seulement, je viens frapper la barrière à la caille, je frappe bien fort, et puis, attentivement, je débrouille à faire des erreurs. Et puis, pour que je connais pays antigen comme si la sécurité a battu le bagage, je me dis que. Bah ça va comme fait non, bah il a frappé fort. Même avec grand frère non, nous dans le même côté, me réveille MC, il dit mais tout d'un coup on a frappé dans le là. Après ça, il a frappé fort. Parce que plusieurs arrestations qu'on fait devant déjà, on a pu m'assister. Rapide vite, je dis avancez-vite. Rapide vite, je dis avancez-vite. Environ 3h30, je me suis dit que je n'avais pas de portail. Et puis je me suis dit que Jean-Marie,
Donc, nous, on a tout.